Salut tout le monde, nous revoici sur une nouvelle vidéo sur Super Mario 64. C'est avec un très grand plaisir que je recommence. Je vais recommencer d'ailleurs. Hop là. Parce qu'il faut que je sois au maximum. J'avais oublié. Donc, je reviens. Donc, je disais, c'est avec un grand plaisir que je recommence à faire les vidéos sur ce jeu que j'adore. Alors, il nous restait une étoile dans le monde trempé séché ici. Donc, je vais essayer de me mettre au maximum. Top. Top. Ah, est-ce que ça a marché? Alors, Quick Cross of Downtown. Ok. Je pense savoir plus ou moins ce qu'il faut faire. Ça peut être facile, mais c'est possible. Alors, il faut qu'on aille au niveau de la ville engloutie. Alors, allez, allez, allez. Mario, ne te noie pas, c'est pas le moment. Voilà, on y est presque. Alors, oui, je vais vérifier un peu tout ce qu'on doit faire. Donc, nous devons prendre la casquette Metal Mario, aller directement chercher ici la casquette de Mario transparent. Et ici, on doit vite fait aller par ici chercher l'autre de l'autre côté. Et que je regarde, est-ce qu'on peut le faire d'un coup? Non, il va falloir être sous l'eau, je pense. Ouais. Ou alors, quoique, peut-être pas obligé. On va essayer de faire comme ça, on verra bien. Si ça marche pas, je retenterai. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, c'est de ce côté-là. Voilà. Ah merde, je me trouve à l'intérieur. C'était pas exactement ça qu'il fallait que je fasse. Vite, vite, vite. Et je ne peux pas faire le saut en hauteur, donc ça va être génial. Vite, vite, vite. Ah merde! Raté. C'est pas évident, hein. Mais j'aurais peut-être pu réussir à faire mieux. Si j'étais pas allé à l'intérieur du truc. Oh merde. Encore. Vite. Alors ce qui est bien, c'est que en Metal Mario, on ne risque pas de se noyer. C'est déjà ça. Alors, hop là. Merde. Allez. Ah mais... Et sérieux? J'étais dessus, hein. J'en suis sûr et certain, j'étais dessus. Bon, on va se mettre de ce côté-là, ce sera plus simple. Au moins, je gagnerai des mètres. Allez! Vas-y, Metal Mario. Surprends-nous! Eh hey. Ah, on peut pas alors. C'est quoi ce Beans? À quoi elle sert cette casquette alors si on peut pas? Ne me dis pas que c'était pour le précédent. D'accord, donc si elle peut pas, ça peut vouloir dire qu'une chose.
pensais que j'aurais pu, mais apparemment c'est pas le cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a toujours moyen, toujours. Alors, on y va. On y retourne. Voilà. Alors. Allez. C'est pas le moment. Voilà, on y est. Maintenant. Voilà. Fais attendre que ça se... Que ça s'enlève. Quoi, c'est tout? C'était tout ce qu'il fallait que je fasse? Je suis déçu. Et voilà, c'était donc la dernière étoile de ce niveau-là. Enfin, la dernière. Il restait 100 pièces, mais je le ferai à part. Alors, maintenant, il nous reste encore une étoile à avoir dans ce niveau. Je vais parler bien... un tableau plutôt, un monde. Je vais parler de ce niveau-ci. Je vous en avais parlé. Donc regardez si on peut voir. Non, on peut pas voir, dommage. Mais ici, dans la classe, on peut voir qu'il y a un tableau qui n'apparaît pas ici. Et si on fait comme ceci, tadaaa, c'est un niveau qui est caché. Le Snowman's Big Head. Oh, ça va être dur celui-là, je pense. Alors, il va nous falloir aller tout là-haut. Vous voyez, on peut le voir d'ailleurs, l'étoile qui se trouve là-bas. Alors, je ne sais plus du tout comment faut faire, donc ça va être génial. Alors, on va prendre un... Oula, j'avais oublié ça. Attention, bonhomme de neige. Oula, j'avais pas oublié ça, mais j'avais... Je ne savais plus où ça se trouvait. Ok, donc faudra faire gaffe à ça. Alors attention. L'eau ici est assez froide pour nous faire perdre la vie. Oula. Voilà. Comme vous voyez, j'ai perdu un peu de vie parce que... Oh là, presque. Voilà, on y est. Attention. Alors attention à son souffle. Vous allez voir après pourquoi. Hop. Alors, hey, qui est là? Qui est en train de monter sur moi? Est-ce que c'est une forme de glace? Snowflea? Je sais pas c'est quoi, flea? What a... Qu'est-ce que ce soit? C'est... Ça m'ennuie. Je vais te souffler. Alors oui, le souffle. On ne peut pas le passer comme ça. Mais heureusement, nous avons notre ami, le pingouin ici. Attention. Il va reculer à un moment, je ne sais plus quand. Oula! Non, 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 non! Ah, merde! Et voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Ah, mais allez, je me fais avoir encore. Ma casquette. Parce que Mario sans sa casquette, ce n'est pas Mario. Tout le monde sait que Mario a besoin de sa casquette. Alors la question que je me pose, j'ai pas vu, mais il faudrait savoir où se trouve le beau bombe rose. Ah, encore! Voilà! Non mais... Hop là. Oula.
Voilà. On y est. Voilà. Donc attention, faut voir. Non. Le mouvement du pingouin. C'est important. Il va là. Et hop, voilà, oui. Donc il recule. Oui. C'est vraiment le moment où il recule que ça va être le plus chiant. Voilà. Allez, on y va. Attention, doucement, doucement, parce que c'est de la glace. Il est facile de... Hop là, voilà. Donc là, il recule. C'est ce moment-là que je me souvenais que c'était pas facile. Pas évident. Voilà. Merde! Non, alors, hein. Laisse-moi tranquille. La casquette. Alors, on continue. Alors, attention. Voilà. Alors, hop. Je n'ai jamais compris à quoi servait vraiment ce truc. C'est juste un petit truc. Oula, j'ai réussi. C'est la première fois que je réussis ce truc. Enfin, en live, en tout cas. Enfin, en live, en record. On dirait que ma manette s'est un peu décoincée au niveau du bouton qui sert à sauter. Parce que c'est pas une vraie manette de Nintendo. C'est une manette d'ordi toute simple, on va dire. Que j'ai configurée exprès pour avoir des touches au bon endroit, plus ou moins. Voilà, normalement si je fais ça, je dois pas être trop mal. Attention. Hop, voilà. Et là, c'est bon. Et nous avons presque réussi. Maintenant, il me reste juste à avoir l'étoile. Et... Ah non, hein. J'avais pas envie de refaire tout. Et voilà. Ça nous fait... une étoile dans ce monde-ci. Donc, high score, mais c'est normal. Je sauvegarde et je continue. Alors, chill with the belly. Oui, je vois c'est quoi. Si j'ai raison, je vois plus ou moins c'est quoi. Alors, par où c'est. Voilà, c'est lui là-bas. Alors si vous vous rappelez les Bellies, c'est ces créatures qui se trouvaient dans le monde de lave. Et qu'il fallait... Ah merde! Qu'il fallait absolument pousser dans la lave. Ici, c'est un Belly de glace. Pas facile à avoir d'ailleurs. Oula! Non! Pas facile à avoir, comme vous voyez. Donc c'est un Big Belly, Big Freeze Belly, un truc dans le genre. Je sais pas comment on peut les appeler. On va dire ça comme ça. Big Freeze Belly. Ah, ce sera son nom. Et alors l'eau ici est tellement froide que... Oula non, ah, j'avais réussi à m'en sortir, merde. Bon, par contre c'est chiant. Alors est-ce que je vais avoir le temps? Et voilà!
Et c'est avec cette étoile que nous allons nous laisser. Je vous dis donc à la prochaine et à bientôt.